Organisé par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel sous le thème « L'artisanat, un appui à une économie durable », le Salon international de l'artisanat traditionnel met en exergue dans cette 22e édition l'amélioration sensible de la qualité du produit d'artisanat, due essentiellement au programme de formation initié par le secteur au profit des artisans, notamment dans le domaine du design. Les artisans ont aujourd'hui une réelle opportunité d'aider dans la décoration des nouvelles infrastructures hôtelières. Ils peuvent même aider dans la construction de ces hôtels, notamment pour le design. Cette nouvelle édition du Salon de l'artisanat a vu la participation de plus de 70 artisans venus de nombreux pays, à l'image de la Tunisie, l'Inde, le Pakistan et l'Égypte. Des produits hors pair sont exposés au grand public. Un seul point commun est l'amour pour ce métier et la volonté de ces artisans de vouloir conserver ce riche patrimoine. Ce savon est 100% naturel, avec une matière première que nous ramenons de la ville de Ghardaya. Je représente la culture et la civilisation égyptienne. C'est des produits différents que nous exposons. Cette manifestation vise par ailleurs à promouvoir ces artisans, peu connus pour le grand public, et les inciter à moderniser le produit et le design, et préserver certains métiers menacés de disparition, à l'image du tissage et de la céramique. L'occasion est également d'impliquer les artisans dans les différents projets touristiques menés à travers le pays.